Bon, là, je me suis honorée, quoi. Et Jean-Claude, on pourrait changer, hein. Tu aurais le bleu et j'aurais le rose. Mais j'aime bien le rose. C'est ça, c'est que tout est inversé, là. Tout est. Je vais vous montrer la tasse que j'ai eue à Noël. Trop belle que j'adore, faite par mon neveu, Oscar. Il y a tous les petits bonhommes de sa classe. Ce qui fait que quand je bois mon eau chaude, eh ben, je la bois accompagnée. Bah, par rapport à ce que tu disais sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, enfin, cette vérité que nous sommes, elle embrasse tous les points de vue. C'est ça qui est tellement... incompréhensible, en fait. Enfin, qui pourra jamais être compris et qui comprend tout. Toutes ces contradictions apparentes, tous ces paradoxes apparents. C'est-à-dire que même le doute, ce qui apparaît comme étant du doute, est goûté intimement. Mais ça ne va nulle part, en fait. Il est goûté pour lui-même. C'est ce moment de ce de donc cet apparent libre arbitre. Donc qui est cet apparent libre arbitre avec aller là ou aller là ou aller là, ça ne va pas vers une résolution, une conclusion. C'est entier, complet, le fait que cet apparent libre arbitre semble se manifester. Avec toutes les résistances, toutes les luttes, je devrais savoir. Je devrais choisir la bonne solution. Hein. Il y a quelqu'un pour choisir. Il y a quelqu'un qui pourrait se tromper, qui pourrait faire des mauvais choix. Et cela est la perfection. La perfection, c'est tout ce qui est, tel que c'est. Le doute, c'est la perfection. Le fait de se sentir séparé. Et la perfection.
C'est la perfection elle-même qui se goûte dans le sens de la séparation. La séparation n'est pas séparée. Est déjà accompli. Personne n'a jamais rien accompli. Et il n'y a rien à accomplir.